Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à Valenciennes, Action de Valenciennes. On va faire un tour, voir ce qu'on a ici en vaisselle. Donc je vais commencer par les carafes. Donc c'est pas des nouveautés, ça fait un moment qu'ils sont là. Carafe, c'est écrit water, aqua avec les écritures, que ce soit en noir ou en blanc à 1,99€ d'un litre. Sinon on a celle-ci, toute simple, où il n'y a rien d'écrit, à 1,68€. Ah, des nouveautés, j'aime bien les nouveautés. Alors c'est une nouveauté récente celle-ci, hein. Je vois que c'est écrit 1er juin, c'est des verres avec des reliefs de différents coloris à 98 centimes. Des bocaux, je sais que vous êtes nombreuses à rechercher des bocaux, surtout le grand là, celui qui fait 3 litres, 3,99€. Il les avait aussi en format un peu petit, mais là je les vois pas, donc il y en a plus. 3,99€. On retrouve ceux-là avec les couverts soit doré, noir ou couleur rose gold, 10 par 10 à 1,77€. Alors ça aussi, ça fait un petit moment que je ne les avais pas vus, ces étagères 3 niveaux. Alors on a ce modèle là, donc ça rappelle un peu, c'est le modèle alors en porcelaine rond, 3 niveaux, 27 cm de diamètre à 4,19€. Et on a celui-là, alors celui-là c'est le modèle hein, de la vaisselle hein, qui existe, hein, qui est Newbone, 4,98€. Donc ce sont des assiettes carrées, une qui fait 15 et une 21. Je reviens au bocaux, on a ce modèle-là, 1,99€, 350 ml. Et on a ce modèle-là, plus petit, enfin c'est le même modèle plutôt, mais de cette taille là, 125 ml à 1,39€. Alors moi j'aime bien, je suis quelqu'un qui, je suis de la team bocaux, moi j'aime bien les bouteilles, les bocaux, les rangements. On a 3 modèles, on a les petites, alors ceux-là il n'y a pas les prix, donc je vous montre quand même. On a ce modèle là, cette taille là, on a un peu plus grand et un peu plus petit. Alors ça, ça fait 70 cm de diamètre. Ah, c'est fabriqué en Italie ça. 70. Ah non, c'est la largeur. Vous voyez, la largeur c'est la même. C'est juste au niveau de la hauteur que c'est pas pareil. Ça doit être un peu plus petit, 56 mm de diamètre. Donc il en reste encore pas mal. Je continue. Alors je continue avec ce mixeur, ce blender. 1,5 litre à 15,95€. Ça fait un moment aussi que j'avais pas vu. Ça part très très vite en ce moment. Là, on a des mixeurs plongeants de la marque Home Essentiel à 7,95€. On a ce mixeur, hein, 3 en 1, mixeur plongeant. On a le mini hachoir. Et on a le fouet à 13,49€, soit en noir, soit en blanc. Cette magnifique bouilloire en verre, 1,7 litre. 15,95€ de la marque Home Essentiel. Alors ça pareil, c'est des choses hein, qui partent très très vite hein. Ce presse-agrumes anti-goutte à 8,95€. Alors je continue avec les tasses. Je vais vous montrer hein, ce qu'il y a en tasses et mug. Ce qui est bien ici, c'est que les tasses sont rangées ensemble. C'est pas par collection. Et tout ce qui est assiettes, etc. sont rangés ensemble. Donc là, au niveau des tasses, on retrouve celle-ci, un super joli imprimé animal à 69 centimes. À côté, on a ce mug. Et là, c'est écrit « Coffee, everything is possible ». Alors, plusieurs coloris, ça me dit rien du tout. J'ai l'impression que c'est une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté. Elle est arrivée le 5 mars. Donc, 89 centimes. Et on a version tasse à café, 69 centimes. 89 centimes celle-ci et 69 centimes la tasse. On a ce modèle-là qui s'appelle Line, que je trouve magnifique, surtout en blanc. Elles sont super jolies, elles existent de plusieurs couleurs. 82 centimes et les mugs de cette même gamme, 99 centimes. 82 pour les tasses à café, je ne sais pas si j'ai dit 82 ou 99. Et 99 pour les mugs. Sinon, on a celle-ci. Alors ça, pareil, hein, c'est une nouveauté pas très ancienne. Ouais, 29 mai. Donc ces tasses, ces jolies tasses, c'est la gamme Newbone. Donc elles existent de plusieurs coloris. Il y a du blanc, hein, mais le blanc part très très vite. 82 centimes. Et là, c'est les tasses à café de la gamme Golden Line. Vous voyez, avec le petit liseré doré. Donc elles existent également en noir, 1,38€. Alors faites attention, hein, souvent dans ces tasses-là, vous me demandez souvent est-ce que ça passe au micro-ondes.
En général, moi je ne mettrais pas au micro-ondes parce que j'ai eu le tour une fois, j'ai mis genre une tasse comme ça. Et en fait c'est la tasse qui a chauffé, mais le liquide n'était pas du tout chaud. Du coup j'ai arrêté de mettre ce genre de tasse au micro-ondes. Je les utilise soit pour prendre un café ou faire monter pour le thé. Alors au niveau des tasses, on continue avec cette jolie gamme que j'aime beaucoup. C'est la gamme Janek Brinkmann. Et ces tasses, elles sont à 1,78€. Et puis là, on a la tasse Urban. Pareil, un magnifique London. Alors la tasse à café, elle est à 1,22€. Et le mug, il est à 1,52€. Dans les tasses, on continue. Je dis tasse, c'est plutôt... c'est marqué mug, mais je dis plutôt tasse. Hein. C'est la gamme Azure. Pareil, hein, celle-ci, elle est super jolie. J'aime beaucoup. Regardez le modèle rose, 69 centimes. Ensuite, on a le modèle diamant. Ils ont fait les coupelles également hein, de cette même gamme à 99 centimes. Et la gamme Twist. Pareil, ça c'est récent. 89 centimes. Je continue. Alors là, je continue avec la gamme Opaline. Opaline, c'est une jolie gamme. Je trouve qu'elle est très printanière, très estivale. On a le saladier. Là, il reste du vert. Sinon, ils existent également en bleu à 1,99€. Les petites assiettes, elles sont à 84 centimes. Elles font 18 cm. Et les grandes assiettes, 99 centimes, 25 cm. Vraiment, c'est une gamme que je trouve déjà pas chère. Et en plus de ça, très très jolie hein, pour une vaisselle, je dirais, de tous les jours. Ou même, voilà, si vous voulez apporter un peu de couleur sur votre table. Ah, j'ai failli oublier. Dans la même gamme, on retrouve ici les petits bols, 84 centimes. Alors, on revient sur les verres Coca-Cola. Les verres Coca-Cola, 1,28€. Hein. C'est les modèles, vous voyez, fluo. Pareil, hein, c'est vraiment estival, là, avec les... Tout de suite, ça donne un côté frais, en fait, le fait que ce soit flouté. 30 centilitres, 1,28€. Alors, il reste encore ici hein, pas mal de ces petits plats. Alors, c'est marqué plat, moi, je dirais plutôt coupelle. Coupelle ou même petit bol, 78 centimes. Et là, c'est des toutes petites coupelles, trop, trop mignonnes. Donc, c'est une gamme connue, hein, Alpina. Et là, il y en a pas mal, ils sont à 62 centimes. On retrouve de la même gamme les petites assiettes à dessert qui font 18 cm à 89 centimes. Et le grand plat creux, 2,99€, 27 cm. Ici, on a le pot à servir des olives à 2,66€ avec la petite cuillère. On continue avec la pince à glace ou à beignet. 1,62€ en inox. On a également, regardez, ces jolis plateaux. Alors là, il ne reste plus qu'un seul imprimé. 99 centimes, sont super jolis. Et regardez, il y a pas mal de boîtes ici, boîtes à provisions 3D, 1,88€. Voilà, ce modèle-là. Celle de 88 centimes, il n'en reste pas beaucoup, 88 centimes. Et on a par contre les grandes boîtes de 59. Là, il y a quand même du choix. Je regarde s'il y a du blanc parce que je sais que le blanc, ça part très vite. Non, il n'y a plus de blanc dans les grandes. Alors, je continue avec les boîtes. Hein. Je sais que le modèle Curver, c'est un modèle qui part très, très vite. J'ai pas mal de retours hein, de filles qui me montrent leur boîte. Et franchement, je vous remercie hein, pour toutes vos photos que vous m'envoyez. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir des retours comme ça. Là, on a plein de boîtes de la gamme Curver. Donc, la plus grande, elle fait 2,3 litres à 3,99€. La moyenne, 3,59€, elle fait 1,8 litres. Et la petite, 2,99€ à 1,3 litres, et la toute petite, elle fait 800 millilitres à 2,59€. Je vous disais aussi hein, sur une de mes vidéos que ce genre de boîte, hein, c'est ce que je voudrais acheter pour mettre dans mes tiroirs. Alors, je vais regarder au niveau de la profondeur de tiroir, de la hauteur plutôt. Soit hésiter entre cela et cela. Donc, il faut vraiment bien venir et puis mesurer la hauteur de la boîte et la hauteur de votre tiroir. Je continue avec les rangements. Et pareil, là, c'est des rangements frigo. Et ben, on a quand même pas mal de choix ici. On a ceux-là pour les canettes. Je dis canettes après, hein, si vous avez des petits bocaux, enfin des choses comme ça, des pots de sauce.
pouvez très bien les utiliser. 1,79€. Et ça, je trouve ça pas mal, en fait, pour ranger. Alors, je sais pas si c'est assez large, il faudrait que je regarde. Mais c'est plutôt dans les placards pour ranger tout ce qui est sachet levure chimique. Levure chimique, sucre vanillé. Je trouve que ça peut être pas mal. C'est 1,39€. On retrouve également en rangement toute cette gamme-là de boîtes qui existent de plusieurs tailles. On a la plus petite, 430 ml à 72 centimes. 1,69€, 1400 ml. Alors celle-là, c'est plutôt pour les plats. Alors elles sont en plastique avec un couvercle. Alors, est-ce qu'elles passent au lave-vaisselle? Je sais que vous m'avez déjà posé la question. Oui, ça passe au lave-vaisselle. En plus, j'en ai, mais moi, ce genre de choses, je ne les mets jamais au lave-vaisselle. On a celle-ci, la plus grande, qui fait 2,2 litres à 1,99€. Et mes boîtes, je les appelle mes boîtes, c'est celles que j'ai utilisées pour mes placards. La grande, elle fait 2,6 litres. Alors, je ne sais plus si il y avait une personne qui m'avait demandé au niveau de la taille. Voilà, la taille, c'est en hauteur. Elle fait 22, après c'est 17 par 11. Voilà. Donc j'ai pris l'étiquette en photo, hein, si des personnes voudraient avoir les dimensions exactes. Boîte de rangement à 1,19€, la plus petite. Alors, et pour terminer, je termine avec ces magnifiques plateaux ronds à 3,69€, imprimés, sans plastique, avec des imprimés tropicaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.